On parle tout bagay. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. On parle tout bagay. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché. Amis téléspectateurs, téléspectatrices Canal Bleu, bonjour, bonsoir pour nous tous, dépendamment de qui côté vous regardez l'émission et dépendamment à qui l'on regarde. Je dis à nous avec nous un grand homme qui relait Edouard Vardy Farrell. Depuis que je dis Farrell, là, tout le monde est avec qui est. Mes amis, tu as l'air de voir l'image, monsieur, ça, n'a pas vu, ça, c'est Sosie Kessner. Sosie Kessner, téléspectateur, même morphologie, même thème vocal. Ah, en fait, bon, tu as l'air de voir l'image, n'a pas raison. Mes amis, même sourire, tout, même bagarre, téléspectateur. Et puis, gentil, même j'attends, je suis tellement apprécié, mon ça, yo. C'est pas les mourir, nous connaissons les haïtiens, les gens mourir. Nous parlons de eux, même pas comme ça, nous sommes les haïtiens dans ce sens. Depuis que nous vivons, nous avons commencé à faire quelque temps. Il faut le sentir présent sur mes bons côtés. Docteur Farrell, c'est un psychologue de profession. Il fait clinique, il reçoit les gens, il fait service, il tout à la communauté, la vie de Porto Rico. Ok, il fait médecine à l'Université Autonome de Mexico. Il faut maîtrise en santé publique dans l'université Porto Rico. Bonjour docteur Farrell, bienvenue dans l'émission On balay tout bagay. Et bonjour Maricam. Bonjour à toutes les téléspectateurs. Et puis faut nous merci pour l'invitation à tous, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir l'invitation surtout de c'est la caille qui cherche nous. Donc nous même si une baguette faut faire temps pour la caille. Donc merci en pile pour l'invitation et puis bon, nous parler de tout bagay. Oui. Docteur Farrell, nous avons un sujet là qui dit comme ça que comment le fait que y a tout le monde ça retourne migrant haïtien yo, comment ça fait, est-ce que ça a un grand impact psychologiquement sur moun yo? Vous ka parler de ça docteur Farrell? Bon Marie-Camel, faut commencer par dire si nous-mêmes qui pas expérimenter physiquement corporellement, ça a passé sous frontière États-Unis hein, oui, avec Mexico. Hein, nous sentons que pas sur nous. Mm-hmm. Imaginez qu'on y a un monde qui vit des choses dans le corps, dans l'âme. Donc, qui est-ce que vous sentez? Donc, l'impact là, ce n'est pas seulement un impact pour regarder que nous avons lié à la crise publique, c'est un impact psychologique qui est très fort pour tout le monde surtout, mm-hmm, parce que tout le monde, jusqu'à présent, il va pas comprendre ce qui a passé. Même. Donc, grand monde, il y a un pile travail pour faire avec tout le monde. En plus de ça, c'est de mon qui prend le besoin d'une série de supports émotionnels après sans garder les traumatismes. Ah oui, mais docteur Farrell, bagala tu vraiment, bagala senti dur. Parce que là, m'a pas apprendre que le traitement au moi-même, ça fait mal juste. Non, moi, ça fait mal en pile. Parce que abdi yo mette mon comme si non freezer qui a bagay mon yo mette au glacé. Et puis, on fait 8 jours sans baigner. Oh! Où est monsieur qui a pris des ravets ou un bâton? C'est triste ça. Si moi-même l'affecte psychologiquement, bah, je vais parler pour mon yo. Vraiment, je vous dis qu'il y a une situation pareille. Mm-hmm. Même si vous êtes haïtien, tout, depuis que vous êtes haïtien, ça va affecter. Quel que soit la nation, depuis que vous êtes humain, d'accord, parce que bien de monde ça va affecter, quelle que soit nationalité ou même sous haïtien, de pour qu'on tisse d'humanité la caillou, bah ça oblige à affecter. C'est pour ça que moi dis que il y a un pile facteur pour nous considérer avec ça passé des Rio. Premièrement, moun yo passé ou ça veut dire un traumatisme. Donc tout traumatisme c'est choc émotionnel que moun prend côté qu'on doit sentir même la vie en danger. Donc, bah, ça a passé sur eux-mêmes du jour au lendemain. Ça prend un petit temps. Parce que l'effet, il doit à court terme ou bien à long terme. Ça dépend de qui quantité support émotionnel qu'on recevra après traumatisme. Et comme moi, on est santé mentale, son bail qui est très tabou dans la société PAN, pour m'expliquer mon mieux plus facile parfois, on va parler de traumatisme. Je prends un exemple, c'est sûr, il y a un sportif qui a gagné son traumatisme.
Donc, ce n'est pas un mot qui est seulement appliqué à choc émotionnel. Le footballeur ou bien joueur volleyball ou basketball frappé, il y a un bras cassé, un pied cassé, il y a un torse, il y a un problème, son traumatisme physique lié. Donc, traumatisme physique là, il prend un petit temps pour moun retourner la fonction normale. Donc, c'est le même processus lors d'un choc émotionnel, par exemple, une catastrophe, une agression. Dans le cas ça, nous avons parlé d'agression que moun yo subi sous frontière là. Nous avons parlé tout de catastrophes qui passaient en Haïti en général, cyclone, tremblement de terre, toute histoire ça. Et même nous avons même pris exemple et problème insécurité en Haïti, des gens qui sont victimes de l'insécurité. Donc tout ça, c'est des agressions dans la vie moun ça. Donc moun ça prend un petit temps pour qu'on reprenne à 100% pour qu'on commence à fonctionner. Donc il est très important pour nous mettre humanisme nous dehors, pour nous connaître que moun qui passe ces traumatismes ça yo sous frontière là, et nous-mêmes, peut-être c'est seulement l'arrivée sous frontière là que nous voyons. Mais c'est deux mondes qui fait près de 2 ou 3 mois à vivre une série de traumatismes durant toute traversée. Donc, qui vient être plus difficile encore pour moun sa yo récupérer à 100% à court terme. Il y a beaucoup plus de temps pour récupérer à 100%. Wow, et je pense que ça va affecter les touristes et l'affecter l'organisme moun nan tout parce que. Et de bas, elle a mon affaire subile, de trouver ton choc. Car elle a une game découvrir son paquet de maladies, hypertension artérielle. Ah oui. Oui, cardiaque, diabète, tout bagaille ça. A développé comme mon nom. Nous pas qu'à séparer partie corps de partie mentale. Parce que en général, l'homme on a parlé de santé, il n'y a pas jamais pensé que santé a son seul santé gain. Santé mentale et santé physique marcher de la main. Nous pas en bonne santé physique si nous pas bon équilibre émotionnel. Ou même pas même de bonne santé mentale. Non? Je parle de équilibre émotionnel. Parce que nous ne sommes pas en bonne santé mentale, même bon équilibre émotionnel. Tant que nous ne sommes pas en bonne santé physique, même bon équilibre. Par exemple, il y a plein de monde qui souffre de diabète. Donc, nous avons une condition de santé, mais nous avons fonctionné bien. Parce que libre médicament, l'alka docteur, libre soin tête. Donc, une condition physique pas empêcher le monde fonctionner bien. Une condition mentale pas empêcher le monde fonctionner bien. Donc, c'est tout tabou ça pour nous travailler, pour nous essayer d'éliminer la société maintenant. Quand que monde toujours pensé l'homme une maladie mentale, son monde qui passe bien encore. Maladie mentale là, il y a traitement, il y a suivi, il son condition lié tant que maladie physique là. Son monde qui diabète. Si vous avez hypertension, ou pas le cas docteur, vous avez des médicaments pour prendre, pour contrôler le niveau et sucre, par exemple. C'est même gentil. Si vous avez un problème mental, par exemple, schizophrénie, ou un bipolaire, donc vous avez droit à le cas docteur, ou à la psychiatre, ou à la psychologue, pour faire traitement, pour capable de travailler à condition que vous avez. Donc, ce n'est pas la fin du monde, l'homme a une maladie mentale. C'est ça pour nous travailler. Nous connaissons un pile psychologue haïtien, m'a salué tout, et m'a profité de ça. Qui a fait un pile bon travail en Haïti pour éduquer les gens sur ça et les problèmes santé mentale. Oui, docteur. En tant que psychologue, comment on peut apporter des apports à mon salon? Moi-même, côté mieux là, psychologue, apport que je peux apporter, c'est chaque fois que vous invitez dans le programme ça pour participer. Je participe dans le pile déjà et je continue à participer. Nous avons des années, nous avons fait une plaidoirie. Pour qu'on prenne santé mentale et pour ça le représenter. Parce qu'en Haïti, ce n'est pas rien nouveau que nous connaissons, par exemple, l'argent qui affecte le budget pour santé en Haïti. Donc, si on ne prend pas la santé en Haïti au sérieux, donc la santé mentale, on prend moins au sérieux toujours. Parce qu'il n'y a pas l'importance que le supposé gagner. Parce que santé mentale, tu as supposé gagner même importance avec la santé physique. Parce que le corps est son seul entité que lié. Il n'y a pas de entité. Tête là, pas qu'à marcher pour qu'on parle et du corps pour qu'on parle. Donc, nous, c'est des êtres, et il y aurait des êtres holistiques, sont seuls comme nous, on seul tête. Donc, à part, moi, c'est continuer à faire plaidoirie ça, continuer à aider la façon éducation pour tout le monde comprendre l'importance santé mentale gagne. Parce que même, comme vous avez dit là, nous faisons un doctorat en médecine, moi, je suis parti biologique là, ça n'a pas suffi pour moi, je retourne à l'école, je fais un doctorat en psychologie, moi, je suis parti mental là. Donc, définitivement, pas de moyen pour nous fonctionner sans l'autre. Donc, à part que je travaille, c'est ça. C'est travail le plus que je suis capable, même si c'est à distance. Le mal à Haïti, en général, nous réunissons avec nos psychologues que je connais. Nous essayons de préparer 2 activités, 2 types de
programme pour nous aider les gens en Haïti. Oui, docteur. Et les gens qui viennent subir ça, vous ne pensez pas que vous avez développé des aptitudes qui sont anormales? Définitivement. Vous avez eu des symptômes que les gens viennent gagner, c'est ça que nous relais, des symptômes post-traumatiques. On maladie, le stress post-traumatique. Donc, lorsqu'il passe un traumatisme qui est tellement fort, donc, il quitte une série de symptômes là, que si vous n'avez pas de bonne thérapie, si vous n'avez pas de bon support émotionnel, vous allez développer des réactions qui sont tout à fait normales. L'homme dit normal, là, ce n'est pas que vous avez une bonne réaction, mais c'est normal. Si vous êtes blessé, si vous passez un gilet sous bras ou bien un couteau sous bras, m'a blessé, c'est normal pour s'en sortir. Donc, mais ce n'est pas que le bonheur pour vous, mais c'est normal. Donc, l'homme qui est traumatisé, c'est normal pour une série de réactions après ça. Une série de monde qui a développé, et, par exemple, il a fait, si mon surtout, il a fait un pile cauchemar. Il a dormi, il a rêvé, même traumatisme que vous passez. Vous comprenez? Il y a des monde qui viennent agressifs. Agressivité à vie, nous partit. Comme nous parlons de qui, Jean, pour moi, dire, qui t'aime prêter mon anglais, ça, pour me dire avec problème, moi, donc, je vais essayer de chercher un Jean pour moi. Comme ça, nous retirer toute pression dans moi. Donc, il y a des gens qui viennent agressifs, il y a des gens qui viennent, surtout si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, la façon pour vous dire que vous avez besoin d'aide, c'est agressivité à mettre devant. Donc, ça veut dire agression que vous avez subi pendant les frontières, là, le qu'on y a, les vins de leur agression, ça, il est tellement frustré, il est tellement fâché, il n'y a pas de qui j'en pour diriger toute énergie, ça, pour frustration. Hein? Donc, si vous êtes agressif, si vous n'avez pas à l'école, si moun yo kon vin et si gens comme ça renfermé sur yo même yo crient en pile, donc c'est très important pour nous aider parents yo, parce que parents yo moun ki kouti moun sa va à l'école pral terre pral jouer un rôle extrêmement important, parce que c'est eux même qui pral comprendre attitude si moun sa yo, yo pral comprendre comportement si moun sa yo, et puis pour yo lever et la voix pour yo dire si moun sa li présenter une série de comportements qui pas normal, parce que si moun pas supposé agir comme ça. Donc c'est là qu'on y a pour faire référence, pour envoyer à psychologue, à psychiatre, à ça y aurait les counselors, des conseillers académiques, et puis qui pour aider yo et continuer la parce que la vie continue. Yo passé traumatisme, nous d'accord. C'est pas que nous d'accord que nous content non, mais la vie continue. Son expérience qui est vraiment négative, mais lui fait partie de vie maintenant. Nous pas qu'à effacer mal heureusement et nous des capacités pour nous continuer, mais nous pas qu'à effacer malheureusement. Donc oui. Ça c'est donc. Oui, j'en sors dire à parents ti moun sa ta psychologue vraiment pour connait comment pour réagir face à une situation pareil les ti moun n'a développé ça. Mais mesdames yo tout surtout qui subit viol yo. En pile mesdames qui subit viol. Comprenez? Comment mesdames ça au même bral vivre ou bien comment y a bien engouement pour vivre encore. Bon, engouement ou refaire pour refaire. Comme moi dis, ça qui est important, c'est la vie. Donc, depuis nous avons la vie, hein, c'est pour nous chercher façon pour nous faire la vie à moins lourd ou donne. Parce que nous tous avons quoi nous apporter. Donc, je ne souhaite pas ça continue à faire toujours. Mais si ça fait déjà que nous sommes victimes de viol, bien, comme moi dis encore, si c'est Haïti, nous avons une pile d'aide en Haïti que nous connaissons que les psychologues haïtiens ont une pile d'aide. Si c'est États-Unis, nous avons une chance d'aider États-Unis, là, nous avons beaucoup plus d'aide États-Unis. Parce que les États-Unis, ils ont une structure qui est mieux préparée que la CAINO, qui pour aider les gens qui sont victimes de viol, les gens qui sont d'agression sexuelle. Mais, comme nous-mêmes, dans la culture, pas nous ne sommes pas vraiment croyés dans les psychologues, nous ne sommes pas croyés dans les psychiatres. Au contraire, nous sommes plus peurs, alors que ce sont des gens qui sont là pour aider nous. Ce sont des gens qui ont des capacités pour aider nous. Donc, c'est pour nous continuer à éduquer les gens qui passent mauvaises expériences, pour chercher aide. Heureusement, aide a existé. Donc, c'est pour chercher aide qui peut aider ou remonter. Parce que c'est comme ça, nous l'op, quand on une route qui est en pente, pour ne pas remonter, pour ne pas. Pour que ce monde pour soutenir, pour avoir aide. Et mes psychologues, psychiatres, conseillers, tout le monde, ils sont là pour aider nous remonter. Là. Donc, c'est pour nous profiter de l'appui que nous recevons, qui gagne, qui existe, pour nous prendre, pour nous avancer. Bon, docteur, vous connaissez la situation en Haïti. Comment vous avez fait pour être psychologue? Parce que y a un coup pour ça, y a un coup à tout bagaille. Parce que nous n'avons pas de monde qui veut mettre des psychologues à disposition des conseillers,
des psychiatres à disposition de la population qui est victime et puis pour vous aider. Non, mais moi, je connais une série de psychologues en Haïti qui ont téléphone, pas rien sous la main là, ils bail des consultations gratis. Donc, c'est contacté pour contacter. Je n'ai pas de numéro sous la main, non, la même qu'on est. Si nous faisons une recherche, n'a pas de psychologue, il y a un psychologue haïtien, non? Moi, je connais des psychologues qui baillent des consultations gratis. Donc, c'est pour nous chercher moyen pour nous faire une saillot, jouer une aide saillot gratis si on ne peut pas payer. Parce que ça, c'est un devoir lié. Devoir, nous, comme professionnels de la santé, c'est pour nous aider des gens qui ont besoin d'aide là. Ce n'est pas seulement une partie de l'agence, c'est pour nous aider des gens qui ont besoin d'aide là. Mm-hmm. Mais comment migrants ça eux-mêmes, ils ont retourné en Haïti? Alors que les gens qui quittent Haïti, c'est pour un paquet de raisons. Et comment vous avez fait ça? Bon, c'est pour moi qui est agréable, pas pour personne. Comme je dis, même si vous ne pas vivre l'expérience là, mais ouais là seulement, il y a un impact négatif sur vous. Tellement frustré, ça pique parfois, ou qu'on parle avec qui j'ai aidé. Ou qu'on a envie de voir avec qui j'ai aidé. Ou qu'on voit $100, ou qu'on voit $200 pour aider, mais ce n'est pas suffisant. C'est de mon besoin, comme moi répète encore, qui besoin que vous appuyez, ce n'est pas seulement pour manger, ce n'est pas seulement pour boire, c'est pour le travail, sur l'expérience qui se passe là. Un facteur très important, tout Marie-Carmel, c'est le facteur étiquette là. Et là, comme je dis, l'éducation en santé mentale est très importante en Haïti. Parce que le conseil de monde qui prend le catalogue de monde, il va mettre une étiquette sur eux. Et en général, il va le dire, mais déporté. Donc ça veut dire pour revictimiser le monde qui est victime déjà. Parce que l'autre dit, on rappelle le monde que tu as passé une expérience qui est négative, donc le monde vient revivre encore. Ça veut dire qu'il faut que Haïtien qui compte le monde ou bien étranger qui compte le monde, essayez d'éviter de rappeler que tu as passé une expérience. Parce que le fait qu'on dit que les gens sont déportés, ah, ou bien les gens qui sont en bas de nous, et nous connaissons parfois l'être humain, pas les haïtiens, l'être humain, parfois méchant. Ils connaissent ça pour le formal là, et puis c'est le même que vous utilisez pour le formal. Donc c'est pour tout le monde essayer de faire effort ça, pour ne pas cataloguer les gens, catégoriser les gens, non, les gens qui sont déportés, les gens qui viennent que nous connaissons nous-mêmes en général, les êtres humains, nous avons capacité pour nous blesser. Donc c'est très important parce que l'homme a une étiquette là, c'est retourner mon nom à revivre l'expérience encore. Donc ça vient limiter mon nom, ça vient de mon nom pas sentir bien parce que vous faites une différence entre lui-même et vous-même. Et différence là pas agréable. Ah oui, papa mon nom est aussi méchant pour d'avoir mon rêve comme ça, vous savez mon nom est passé là et puis vous savez qu'on sait mon nom a choisi pour la faire mon nom revivre parce que c'est très dur, c'est très triste. Ma quoi mon yon a fait un bagay pareil. On souhaite que vous pas. Je m'a prié pour vous pas. Parce que ça n'est pas agréable du tout. Et c'est là encore, peut-être quand il y a des gens qui ont des réactions violentes, lorsque le songer, ça le dépasse. Côté que tu es impuissant, qu'on y a ou vient rappeler ça. Il y a un sentiment de violence, un sentiment que qu'on y a bon. Comme c'est où, même moins jouen, je ne sais pas si il y a des gens qui t'a opprimé mieux, mon qui t'a maltraité mieux, mais comme c'est vous, même moi joigne, et si vous pouvez passer pour vous au même niveau avec en question d'autorité, donc je vais le gommer avant, je vais le battre pour me faire suspendre et dérespecter. Donc c'est là, mon Dieu, que le très important. Donc son processus qui besoin un travail de suivi avec tout le monde qui passait par mauvaise expérience. Que le terrain des États-Unis, que le terrain à l'Haïti, quelque chose à côté que l'allée, depuis que tu es passé, depuis que tu es présent. Dans le moment, ça a eu, la quitté, il y a un effet sur lui. Peut-être à court terme, pour qu'on ait plus force et de s'améliorer les résiliences, il y a des gens qui prennent pas ces expériences à court terme, il y a des gens qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, il faut une évaluation faite individuelle. Nous ne pouvons pas tout le monde mettre dans le même panier et puis nous avons même service là ou même appui. Chaque monde a besoin d'appui par rapport à comment que le West a le vivre là. Il y a des gens peut-être ça qu'après 2 mois pour reprendre. Il y a des gens qui ont pris 2 ans. Il y a des gens qui n'ont pas jamais reprendre encore pour rester. Parce que n'ont pas jamais recevoir l'aide qu'ils ont besoin. Et nous, on aime toujours répéter ça, que Haïtiens, c'est un peuple qui est plus résilient dans le monde. Parce que nous tellement passé en pile péripétie, en pile catastrophe, en pile agression, en pile choc émotionnel. Donc, Haïtiens viennent avec une certaine résilience, côté que l'Ivine, je ne pas dire que l'Ivine résilient, mais l'Ivine comprendre que l'Ivine capable de continuer à vivre avec une série de problèmes que l'Ivine a. Parce que les capacités ça. Et la résilience, ce n'est pas un bail que nous vendons dans le marché, c'est un bail que nous développons à partir de l'expérience que nous faisons. Il y a des gens qui développent plus facile, plus résilient, il y a des gens qui prennent plus de temps pour développer.
Donc c'est pour nous toujours évaluer capacité ça, car tout le monde qui passe un choc émotionnel, que nous avons un traumatisme, pour nous connaître comment nous allons travailler avec lui, pour nous capable de remonter par là, pour nous capable de continuer la vie. Oui, docteur. Et qu'on a la même. Nous avons un paquet de monde qui allait. Et moun sa ou même qui retourne vin jwenn nou la. Mwen dan me konnen comment ou wè sa ou même ki jan moun sa ou va le faire pour yo vivre là encore en Haïti. Bon. Et comme moi tout ça qui est important c'est la vie. Moun nan gen la vie pou ya. Vivre en Haïti nous connaît que pas facile avec tout problème travail qui gagne, problème économique comme si gagne parce que moun yo pou te aller son dépens que te fait pou te aller. Peut-être le retour yo retourner sans l'argent. Donc facteur économique là pral jouer un rôle primordial dans comment moun nan pral continuer la ville. En Haïti nous on a un pile problème pas de travail, gen un pile problème violence. Donc moun sa yo comme moi du moi-même côté mien là, gon facteur que m pas capable rentrer là-dedans, c'est facteur politique là, facteur économique là parce que m pas connais, m pas un expert dans l'économie ou connais expert là c'est l'autre là et pas moi-même. Donc facteur ça faut respecter grandette. Oui, faut le placer. Donc c'est moun qui a capacité ça qui pour garder comment yo ka aider moun yo pour yo gen une stabilité économique. Et moi toujours par exemple ces derniers temps, deux dernières années ça yo, de année 2020 à 2021, moun moi plus ouais la thérapie, c'est moun qui a problème économique. À cause de Covid là, yo perd du travail yo parce que travail. Donc problème économique là, li vin tourner une sorte de et yo di an avec trigger, c'est lui même comme qui activer problème mental yo à pile fois. Parce que le monde n'a pas qu'à subvenir à besoin ni besoin primaire yo, moun n'a pas qu'à manger bien, moun n'a pas qu'à dormir bien, moun n'a qu'on peur est-ce que la paix du travail li. Donc facteur économique là très important. Donc si moun n'a pas qu'on bon pour une bonne stabilité économique, la difficile en pile pour mentalement li fonctionner à 100%. Si moun nan pa gen une certaine sécurité, la difficile nan pil pou moun nan passer, j'en ta supposé passer à 100% parce qu'il est préoccupé. Et tout ça qui préoccupation, donc li vin empêcher ou vivre moment présent. Comme moi toujours dit préoccupation, c'est un excès futur. Donc moi pas konn sa pral passer. Donc moun nan tellement préoccupé que moun nan oublié occupé le moment ça. Et moment présent c'est li côté. Donc c'est pour moun qui retourne en Haïti yo, faut y a gen une aide au moins de gouvernement, d'une série de agences en Haïti qui pour tabayo peut-être une stabilité économique pour capable recommencer sur la pente là pour continuer. Bon, docteur. Et comment wè moun sa yo même qui déporté à ici? Comment wè yo? Qui sont en train pas comment wè yo? Comment wè yo dans sens que wè j'ai a voyé à ici retourner la caillou pendant ce temps wè yo accueilli afghan. Comment ouais, on a ce sens même. Comment tout ça son facteur politique, c'est facteur et que pas vraiment bien en pile connaissance là-dedans. Mais frustration que haïtien absenti, hein, c'est bien sûr que son bail qui a fait mal parce que lui ouais, il est immigrant à côté d'immigrant, mais au pas traiter même j'attre immigrant. Donc mon n'a vinn senti lésé dans estime de soi, mon n'a senti que pas considéré comme monde. Donc tout ça c'est des bail qui affecte mon à niveau psychologique. Parce que si je suis un monde pour tout le monde, je suis supposé recevoir un traitement, même pour tout le monde. Donc, l'homme pas recevoir un traitement, ça, je pense à un paquet de choses. Il y a des gens qui pensent à racisme, discrimination, et tout le monde, c'est le bail qui affecte le monde, l'estime de soi, qui limite le monde. Parce que l'homme ne peut pas sentir considéré à part entière comme le monde. Donc, ça vient de sentir que ou pas vaut rien. Donc, le fait qu'on sentit qu'on ne vaut rien, hein, ou capable internaliser et puis ou vinn apprendre qu'on pas rien et puis ou vinn apprendre agir comme un monde qui pas capable alors que nous connaissons le monde que déporté yo ou ka joindre des potentiels énormes de monde qui ka n'importe qui gros artiste n'importe qui gros médecin n'importe qui gros avocat mais monde ça yo pas bay chance yo pour yo capable développer toute habilité que yo gagne tu comprends. Donc c'est là qui nous tient du Jérôme. La partie politique là, pas comme comment on garde ça, mais la partie psychologique là, moi connais les gens, ça affecte en pile. D'ailleurs c'est étiquette là tout. Étiquette immigrant. Leur d'où sont immigrants. Il y avait ça mettre étiquette sur. Le terme étranger, son terme que moi j'aime même utiliser parce que ça qui étranger. Étranger, son pas qui étranger, même pas un monde qui étranger. Nous sommes monde tout le monde. Nous avons différentes races, nous avons différentes couleurs,
nous avons différentes cultures. Nous avons des étrangers, nous avons des étrangers. Je suis un être humain à part entière, tant que tout le monde. Chaque monde a chaque monde a culture. Donc c'est pour respecter la race, c'est pour respecter la culture, respecter quand il me sorti. Mais là qu'on y a, ou les aimes, on a estime de soi. Donc je ne connais pas vraiment qui ça me représente. Parce que maintenant, des gens qui sont immigrants, des gens qui jouent, des gens qui agressent parfois, et pas seulement verbalement, mais physiquement tout. Donc ça vient affecter la façon que moi-même, je vais moi. Et ça, c'est très important. Pour faire un travail d'appui psychologique pour un pile support. Parce que le monde, bien être va affecter peut-être à court terme, en espérant que c'est à court terme, ou bien à long terme. Bon, ou imagine, docteur, nous-mêmes, nous battons même bien culture, alors le psychologue, et comment le monde va arriver à faire ça? Bon, ces cultures-là, comme on dit au monde, aucun ne doit pas changer comme le monde, mon cas modifier une série de comportements. Mais c'est pour qu'on ait que existé pour modifier. Yo. Donc, pas qu'on ait comment gouvernement haïtien avec agence qui travaille avec santé mentale, yo, qui plan que vous gagnez. Mais vous avez supposé un plan de suivi pour identifier les gens, quel que soit côté que vous avez, et puis pour essayer d'offrir un aide là. Parce que aide que vous avez offert là, vous avez refusé. Vous n'avez pas obligé de prendre aide là. Mais c'est pour qu'on ait une option, qu'on ait aide psychologique, qu'on ait appui émotionnel. Peut-être nous ne pouvons pas parler de santé mentale ni psychologie parce que nous avons un peu de mots à eux. Mais là, nous avons un support ou un appui émotionnel, ça peut peut-être aider beaucoup plus. Et surtout que nous ne parlons pas avec un psychologue ça, ou un psychiatre. Ça. Si nous sommes bien, donc là, continuer à aller. Et nous connaissons que les parents haïtiens, ils ont vraiment pris soin de petits gens. Ils ont vraiment aimé petits gens bien. Donc, dans l'école, tu as supposé qu'il y ait un effort qui fait pour aider les gens. Parce que parfois, pour atteindre les parents, c'est à travers les gens pour passer. Parce que par eux tellement tarés les timounio bien, donc leur passe à travers les timounio ou qu'à modifier comportement par an. Parce que nous sommes haïtiens, nous va changer. Nous sommes haïtiens, comme moi, nous avons 20 ans ici, parce que haïtiens net. Nous quittons Haïti, mais Haïti va jamais quitter. Tu vois? Qu'à modifier une série de comportements qui a aidé à gagner une meilleure vie. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. C'est pas égo t'as rejeté alors que c'est Yogin comme modèle. Est-ce que vous comprenez? C'est très important parce que si moun, c'est ça que nous relève, apprentissage vicaire. Si moun apprend de saloué. Tu comprends? Et si moun n'a gen moun kap bal bon exemple, la prend bon exemple là. Mais si moun n'a gen moun kap bal mauvais exemple, la prend mauvais exemple là. Mais c'est ça que le vive, ça le vive, l'a connu. L'homme n'a thérapie avec si moun. Papa, il me toujours prend papa comme des alliés parce que pour aider moi. Donc, le ou papa ou bien maman, si moi, si mon sont mal élevé, je dis papa, maman, attention. Si mon n'est pas élevé, t'es pour contre. Oui, c'est mal élevé. Soit mon n'est mal élevé ou bien mon n'est bien élevé. Oui. Donc, parfois, pareil, quand on fait des erreurs, c'est pas que vous méchant, non, c'est parce que vous pas connu. Donc, travail nous-mêmes comme professionnels, c'est pour nous éduquer parents, pour nous expliquer la bonne manière qui est bon exemple pour bâtir mon. Donc si ti moun nan ap goumen ap ti frèl nan ba ti frèl la ou kou, ou alon se si ou kalel pour montrer que pa gen nan ba ti frèl nan kou, hein, message la pa il va efficace. Parce que ou ap di m pa ba kou mais c'est kou ap bam. Donc gen contradiction dans message. Et surtout nous même ba haïtien c'est nan baton ou quoi. Oui, mais ça commence à changer. Ça commence à changer. Parce que on y a parlé plus ou moins comprendre que l'op ba ou ti moun yon pen physique n'est pas vraiment gain aucun apport dans vie ti moun là. Donc ça commence à changer comme grâce à Dieu, gain moins violence et n'ta ka di physique sur ti moun yo. Tu vois, qu'on a fait un travail sur partie violence psychologique là. Parce que l'autre dont ti moun li sort, l'autre dont ti moun ou pas servir à rien. Donc on a vienne apprendre que le sort, il vient internaliser les petits moun là continuer fonctionner comme un monde qui sort. Oui, bien sûr. C'est ça qui est très important pour nous passer parfois par Timoun dans l'école là, pour nous atteindre parents. Donc, ça qui passe là, sous frontière là, comme moi-même, je travaille avec motivation. Je suis très positif, très optimiste. Pour comprendre, je ne vais pas prendre un kilo que je vais tourner en Haïti. Il faut que je rentre en Haïti au moins deux fois chaque année.
ça veut dire que je ne quitte pas la caille. Je vis dehors, je travaille dehors, parce que j'ai une opportunité, mais chaque année, je vais à Haïti deux fois. Oh, je suis docteur. Pas qu'à retirer Haïti en dame. Ouch, moi même ça. Moi-même, sur l'autre bateau, moi même ça. Non, pas négocier ça. Moi, je vais à Haïti deux fois par année, minimum, parfois, parce que je aime la caille. C'est le côté que je ne vais pas considérer comme étranger. Le monde haïtien, toi, haïtien, t'es tout haïtien. On parle créole, y a tout le monde, pas aucun monde qui dit ni accent, pas aucun monde qui dit seul bagage. Bon, c'est deux mots nous dit dans zone pas nous que on pas dit dans notre zone, donc on n'a que pas quoi parler. Aïe, mon gars, oui. Parce que on sait que ça a toujours été. Exactement. Mais pas un monde qui compte au sorti qui est étranger. Donc moi mais la caille moi, m'ta rien tourner en Haïti, vrai. Mais bon, on sait le compromis que m'gagne côté n'importe où quoi fait temps. Mais il va facilement me lever, me quitter pour retourner la caille. Et ça fait chaque fois que je suis capable tout, je me fais un petit coup de pied. La caille, okay. Moi, je fais trois semaines, je fais un mois. Et le malais, pas aller pour deux jours. Hein. Le malais, c'est au moins trois semaines, je fais la caille. Mm-hmm. Amen, docteur. Je suis aimé pour nous faire une coalition. Comme moi, je suis toujours beaucoup de tout, parce que moi-même, Nouvelle Haïti, je suis en et je suis en pour les babes, je suis en pour ça. Ça veut dire moi-même, je cherche toute crème, je m'en réunis toute crème, parce que moi-même, quand nous venons travailler pour Haïti, c'est nous pour travailler pour changer Haïti. Et pas Haïti qui a levé un bonjour et puis ça a changé. C'est nous pour travailler pour changer Haïti. J'aime ça, je m'en ai toujours eu beaucoup de parce que tout le monde connaît qui est important, mais je m'en ai toujours eu beaucoup de toujours motivé. Avec plaisir. Toujours motivé, je me dis, papi, non, Nouvelle Haïti est possible, c'est nous pour travailler pour nous faire. Définitivement. Chaque monde pour faire participation, pas nous. Travail là, c'est pour chaque monde poté 6 mois ce que capote. Oui, oui, oui. Participation. Pour que nous ayons le petit, mais le nous rassemble tous 6 mois sur ça, là, fait un point important qui est la balance là. Oh, bien sûr. Oui, docteur. Donc, ouais, j'aime nous parler de Mounio sous frontière là. Moi-même, j'aime des jours là. Quel que soit Mounio, depuis ce Mounio, ça ne va pas faire mal. Même si je n'ai pas de mauvais traitement, le fait que a retourné en tout, son humiliation. Vous comprenez? Oui, ça est de base. Il y a la forme. Je ne peux pas comprendre que le pays décide pour ne pas recevoir des immigrants là. C'est un droit que le pays a gagné. Mais qu'on y a, c'est forme. Comment on peut traiter le monde, ça, c'est le monde pour tout le monde. Comment on peut traiter yo? C'est ça qui est le gros problème. Non? Et regarder le problème qui affecte même le monde qui est là. Tout le monde qui est en dedans. Parce que nous connaissons un paquet de personnalités et qui prennent des positions vraiment et qui condamnent ce qui passe. Et ça fait plaisir que nous nous voyons ça tout parce que faut que nous voyons que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas prêt haïtien comme des immigrants indésirables. Tu comprends? Ce sont des circonstances qui mènent nous là. Donc nous-mêmes qui ne pas vivre le moment, il faut que nous mettions dans le souvenir de ça. Parce que ça t'a arrivé moi-même tout, ça t'a arrivé tout. Oui, il y a pas de monde. Nous avons des circonstances qui passent dans la vie, qui mènent les gens là. Donc, comme je dis, partie étiquette est très importante, c'est pour nous même comme être humain, que tu es haïtien, que tu es américain, c'est pour nous commencer à apprendre, suspendre, juger les gens. Parce que le monde arrive là, tout le monde sort fait jugement, assez au cherché pour savoir les placards. Mais non, ou pas contre qui ça mène les gens là, qui ça doit juger les gens là. Nous avons des droits pour juger les gens. Ou pas des droits. Chaque monde croit par le côté. Il doit croire mon papa, mon ça, c'est l'almené. Quoi pour la lui-même, lui maintenant, derrière caméra Canal Bleu. Tu vois, donc c'est pour nous éviter de juger. Nous avons un problème qui est très fort comme être humain, nous toujours passer des jugements. Et il n'est pas vraiment bon parce qu'on ne connaît pas pour qui ça nous là. Oui, si tu as son pauvre, si tu as son pas mon nom. Il y a mon cap jour, mon dépense son paquet d'argent, il y a fait business avec l'argent ça. Oui, son façon de passer. Mais ou pas contre pour qui ça moun nan pas ka fon business ou pas contre dans qui condition moun nan sot la caille pour arriver côté rivière ya parce que nous c'est de moun ak ti moun son bay qui vraiment dur hein le regarder yon moun qui expose petit li tout petit nan route ça ah oui so, la pa fon trajet qui si difficile exactement le regarder moun nan fait tout autour li sot Haïti qui principalement a une heure et demie de Florida li fait tout tout là, là juste Brésil, du Chili pour passer tout Amérique, là, il peut être 6-7 pays pour arriver là. Donc, nous ne pouvons pas juger les gens, nous ne pouvons pas comprendre qui ça mène les gens là. C'est pour nous apprendre ça, oui, l'empathie. L'empathie, c'est pour nous capables d'accepter l'autre l'agent. Mm-hmm. Et nous-mêmes, en général, les êtres humains, nous toujours voulons pour l'autre, nous n'en faisons pas, nous voulons le faire. Mais non, mais qui sont pour décider de la vie au monde?
qui ça nous y est pour nous décider, ah, moi même côté Michita là pour nous décider, pour Marie-Camel heureuse, faut que lui fasse ça. Mais non, mais c'est Marie-Camel qui pour nous décider ça bon pour lui. C'est pas capable moi-même qui décide. Donc comme Marie-Camel pas fait ça, me t'ai dit le faire, le lui veut une situation, il a un problème, au lieu que m'essayer appuyer lui, non, c'est condamner, condamner, lui bon pour lui. Non, c'est pour nous quitter ça. C'est lui qui a le chercher. Pas de monde qui t'a aimé là. Pas de monde qui t'a aimé passer l'expérience là. Donc, vous voulez que nous cherchions ça? Non. Nous avons cherché un bien-être. Nous avons cherché une façon pour vivre une meilleure vie. Donc, malheureusement, c'est là que recherche les amener. Donc, moi-même, recherche pas m'amener de mon autre côté. C'est pour comprendre mon ça. C'est pour me mettre dans le soulier mon ça. Pour me capable un peu d'empathie, un peu de respect humain pour mon ça qui a passé pour le problème ça. Tu vois? Donc, ça va aller des mondes dans tout. Malgré moi passé expérience ça, malgré que ça m'a cherché à j'aime devenir là, c'est pas comme ça le passé. Ou même pas, il me parle de héros, non? Il me dit, ah, mon ça fait des héros. Chaque monde apprend, j'en parle. Justement. Il est capable d'être héros. Donc c'est pour nous dire, mon nom respecte mon nom, respecte la décision. Je ne suis pas d'accord avec. Le fait que je ne suis pas d'accord avec, on ne peut pas dire que je ne respecte pas une décision qu'on prend. Je respecte une décision qu'on prend, je ne suis pas d'accord avec. Ça aide nous toutes comme communauté établie base pour nous. Un bon appui émotionnel, une bonne stabilité émotionnelle. Oui, docteur, ou pas qu'à chita mettre en place mon nom. Non. Ou pas qu'à ouette tout dans mon nom. Ça va faire. Ou pas qu'à ouette tout dans mon nom. Parce que chaque monde a une condition de vie, chaque monde a une situation. Chaque monde a une expérience tout que vous vivez. Vous comprenez? Ou pas mieux placé pour parler de la vie mon nom que lui. Exactement, c'est mon compte à la chercher. Bien sûr. Donc c'est pour comme moi je dis encore, je n'ai pas d'accord avec la décision que je prends. Même supposé respecter. Parce que c'est sa décision. C'est ma décision pas, mais c'est mon connaît qui comment il prend décision pour déterminer ça bon pour lui la pile. Tout le monde fait erreur. Il va le faire erreur, il va l'apprendre de erreur. Mais ça va vous dire que mon nom sont mauvais pour ça. Donc c'est pour nous crucifier mon nom, c'est pour nous jouer, c'est parce que mon n'a pas d'accord avec la décision là. Non, donc, mais on conseille tout pas en l'autre, docteur. Ou même on a conseillé, elle doit apprendre tout comme les Carouchel. C'est ce qu'on appelle l'arbitre. Ou elle a pas mon conseil. Moi, libre de prendre ou bien pas prendre. Justement, de mettre ou Carouchel tape bon pour moi. Moi, mais pas ça, moi. Exactement. Oui. Exactement. Mais ou pas qu'à imposer mon bagage. Ou pas nous qui culture ça même, nous même ici. Ah oui. Même dans le niveau familial. Bagay télé les babit là nous pas ça non. Babit fois c'est bagay. Exactement. Quoi même si on va la prendre pour résoudre là c'est pas on qui touche à pour avoir. Oui, justement, les pas tout ça qui sort en remé apprendre non. Il m'a mandé ça. Il dit tout ah l'on finit l'école et elle va au voilà bon. Et heureusement, nous ça gon tendance à changer comme hier parce que si mon a venir plus là voir au chapitre, il est capable faire des décisions pour être yo. Ah, donc, éclairé, pas ça, mais même si ça, mais c'est pour pas qu'on a comprendre que on pas qu'à imposer ou ce qui doit être si mon vous dites encore il vient d'arriver ça. Il y a privé, mais ça m'a fait. Émission ça que c'est pour plus mon faire, il y a plus psychologue en Haïti, c'est pour plus faire qui pour commencer guider parents yo, pour pas comprendre que nous là nous même pour appuyer si mon yo dans décision yo. Nous là pour nous conseiller, yo. Nous pas là pour nous décider pour eux, parce que décision pas nous nous-mêmes, peut-être c'est pas eux-mêmes qui bon pour Simon yo. Donc c'est pour Simon yo gain connaissance ça que Simon yo connaît que yo ka compter sur parents pour appuyer yo. M'pas que nous gain culture ça non, dialoguer avec Simon yo. Et c'est ça me dit, n'a modifier lui, n'a modifier. Parce que ça c'est toujours imposé n'est pas Simon yo dit eh fait elle bagage. Non, les changer, les changer. Si tu me dis, pourquoi ça vous me faites le bagage? Oh, on me fait le bagage, il va poser question. Génération pas nous différent. Parce que génération pas nous ouais l'autre bagage, donc nous vivons aussi à telle flexibilité avec Simon. Vous comprenez? M'bad nous laisser aller, non? Nous flexibilité. Côté que Simon n'a qu'à dire où ça le passe, ça le t'arrive à faire, ou même pour guider. Pour dire, ah, souhaites-tu être tel bagage pour qui ça m'écoute de caméra? C'est le travail ça pour nous faire. Et pour nous, parce que le bagage, c'est des bras, hein? C'est pour nous continuer à faire jusqu'à ce que nous ne soyons pas capables encore. Et comme je dis, 20 fois sur le métier, vous remettez votre courage. On répète ton bagage. Vous venez apprendre, vous venez continuer pour faire, vous venez une certaine maîtrise de lui. Donc ça a aidé Timounio. Donc c'est pour nous continuer
éduqué par nous, pour qu'on comprenne que ce n'est pas une police que nous avons, pour y passer avec bâton. Non, parents, c'est un support pour Timoun. D'ailleurs, Timoun n'est pas pour nous. Mais quand même, Timoun, c'est pour la vie. Ah, parents, ils ne sont pas venus comprendre les choses à nous. Ah, je ne vais pas le comprendre. Je ne vais pas le comprendre. Je ne vais pas le comprendre. Je vais comprendre, mais Timoun, et qu'il y a avantage que Timoun, qu'il y a eu, que nous n'avons pas gagné, il y a accès à ces informations. Mais c'est ça, les Timoun n'ont pas eu information, ils n'ont pas eu information, ils n'ont pas eu information, ils n'ont pas eu. Et ça a changé, ça a changé. Bon, génération qui a bien changé, parce que nous venons comprendre, j'ai été éduqué, l'homme d'appeler les Timoun au Kaila, c'est pas pour ça que moi-même, mais je dis pas mieux. Parce que l'environnement est différent. Il y a plus d'évolution, il y a plus accès à l'information. Le petit tout le monde pose une question. Jouer une réponse là, balle une réponse là. Oh, il n'y a pas de dire la vérité en tout. Surtout en matière sexuelle, il n'y a pas de dire tout le monde la vérité. Il prend le jouer de l'autre côté. Ah. Parce que quand on a un téléphone dans le mail, un computer. Il connaît bien. En fait, pour cette question, il y a une réponse. Il y a une réponse là, mais c'est ça que nous avons refusé d'admettre. Pas refusé d'admettre ça. Là, si vous avez une bonne question, il y a une réponse déjà. Il y a juste à chercher une confirmation dans mon. Problème qui vient avec une réponse là, parfois il n'y a pas interprété la réponse là, je ne dois interpréter là. Ah, mais ça fait une bonne question ou même moi caché. Exactement, c'est là ça. Il y a mais là, il va l'utiliser. Le travail des parents est très important, donc c'est pour aider Simon dans la bonne direction. Parce que il va lire un bagage sur Internet là, il va interpréter de façon totalement nocive pour lui-même. Donc si je suis capable de guider, parce que je connais que la bonne. Donc c'est pour me guider, pour m'interpréter de la meilleure façon possible. Pourquoi les sexes sont bien équitables pour notre bonne Haïti? On va faire éducation sexuelle, Timoun. Et bien, comme ça. Dès qu'on va parler ça, on va dire oh, sorti Timoun là. Comme si Timoun n'avait pas connu. Timoun n'a pas appris de la façon qui n'est pas agréable. Donc, c'est pour nous-mêmes. Le problème, on a dans l'éducation sexuelle, c'est le mot sexuel là que vous entendez. Il va dans l'éducation. Et éducation sexuelle, pas vle dire à l'un sexe. Non. Et il commence pour tout le monde koli, pour le qui fonctionne koli, pour le respecter koli, pour le respecter tout le monde, tout garçon, pour le respecter tout fille, pour le respecter tout garçon. C'est depuis là nous commençons la base d'éducation sexuelle là. Mais en pile fois, comme un jour, nous n'avons pas dans les mots éducation, nous n'avons pas dans les sexuels là seulement. Oui, parce que nous disons ça, non, on va le monter le bagage, non, on va le faire ça. Exactement. Donc, comme le bagage ça, son processus pour lié, côté pour nous commencer à sensibiliser mon yo. Que ça aide la vie au vin beaucoup plus agréable. Parce que ça qu'on a cherché nous tous dans la vie ça. On a cherché le bonheur, le bien-être. Moun qui quitte Haïti, qui parti à Chili, parti à l'Argentine, parti à Brésil. On a cherché au mieux-être. Exactement. On a cherché au mieux-être. Peut-être moyen que l'a cherché là, c'est pas moyen plus agréable là, c'est pas moyen plus adéquat, mais c'est lui-même que le gagne. Des options ça que le gagne. Ou bien parfois c'est ça que le choisit. Tu vois, mais c'est même ça que l'achète pour l'acheter même bagage. Tout pour l'acheter bon bien-être, l'acheter la paix, l'acheter bon bonheur. Qu'on a comment l'acheter, qui j'ai, qui chemin m'a fait, ça est décision pas me lier. Mais si m'gagne au monde, cap diriger, cap guider, cap bande de conseils, cap bon, au moins la moins compliqué, la moins difficile pour moi, pour m'arriver à bonheur ça. Tu vois? Donc c'est là que je prends encore le rôle parent, rôle la famille. Moi, je ne sais pas encore, docteur, la famille. Nous avons chose en Haïti, ce marron, tu es presque écrasé. Oui, et c'est un pile bagaille qui fait ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a un pile famille en Haïti qui sépare parce que papa est obligé de partir au travail de York, qui est maman en Haïti, ou bien maman travail de York, qui est papa en Haïti. Donc, famille n'a pas de intégrité comme famille, vraiment. Mm-hmm. Donc, famille, il y a une décision, il y a un paquet de facteurs qui affectent le bien-être là. Mm-hmm. Parce que nous, même, nous sommes des Simon au cas, ils sont levés dans la communauté. C'est pas seulement famille qui a besoin de moi. Nous, nous sommes voisins à besoin. Oh oui, et pas voisins seulement. Mm-hmm. Nous disons, même si nous habitons à 15 blocs de la caille, nous n'avons pas besoin de vous. Le loueur, oh, quand il va faire là. Donc, la garde est fait. Mm-hmm. Et là, même, vous avez un certain respect pour nous. Oui, on ne peut pas faire de bonnes bailes. Parce que si moun sa réprimande ou, pas de problème, non? Problème c'est de la 10 moun la kayou sa. Oui. Il faut prendre deux réprimandes. Ou pas, yon nan men moun sa, moun la kayou. Tu vois? Mm-hmm. Donc, nous vins perdu sens de la communauté.
Donc ça vient. Ah, ça vrai, nous perdons la culture ça yo. Et qui très bon, oui, nous perdons tout. Comment nous vivons, le vivre ensemble, nous perdons ça. Presque. Avantage que nous gagnons, tout être humain qui vit sous terre ça, mais quand même il y a une capacité pour reconstruire ça le gagne. C'est plus gros avantage là. Ça veut dire sans communauté ça que nous gagnons que qu'on y a qui va exister en pile encore, l'on sait que de côté, nous ca reconstruire. Mais qu'on y a la question à se poser, est-ce que nous devons reconstruire? Est-ce que nous prend les pas nécessaires directions nécessaires pour nous reconstruire là? Et comment les reconstruire? Exactement. Non, depuis qu'on va les reconstruire aussi. Depuis qu'on volonté à nous reconstruire. Ça c'est sûr. On a décidé nous gagne volonté pour nous reconstruire. Depuis qu'on volonté gagne façon. Pourquoi les reconstruire? Pour nous refaire société maintenant. Pour nous refaire pays maintenant. Parce que le pays, ça n'a pas fait de manière individuelle. Si nous ne pouvons pas, ou ne pouvons pas, pas de façon pas pour nous refaire pays. Ah, mais c'est parce ça qui a tué nous, c'est égo. C'est moi et ma vie qui fait une famille. C'est famille, pas ma famille, pas voisin, qui fait une communauté. C'est des communautés qui font société. Donc, pour tout le le mieux vivre, le mieux être. Vous comprenez? Donc, c'est pour nous quitter égo de côté pour nous penser. Pays. Et ça a besoin, comme on dit, d'un appui émotionnel. C'est pas seulement l'argent, c'est vraiment partie financière là. Partie financière là, il y a dans une petite base là. Une fois que moi j'ai la peine en poche, quand j'ai la peine en tête, donc on y a qu'à fonctionner beaucoup mieux. Donc on a pensé beaucoup mieux. Le moi Marie-Camel, je ne pas penser que Marie-Camel a derrière tué ni derrière voler l'argent. Parce que Marie-Camel a une stabilité pas là. Le tout cherche stabilité, on y a cherché façon pour nous unir, pour nous continuer. Donc, ça m'a dit, il y a un facteur émotionnel. Donc, depuis qu'il y a une volonté à reconstruire le pays, il y a une volonté. Oui, mais docteur, il faut commencer à la base pour nous apprendre, pour nous faire grandir comme des citoyens. Voilà. Parce que les Haïtiens n'ont pas vraiment une attache. Non, nous ne pas comme ça du tout. Et longtemps, les gens ont grandi, les gens ont des amis. Si nous avons un problème qui arrive, comme si c'est au rêve. Ok? Sentiment d'appartenance, nous perdons net. Pour ne pas presque dire complètement. Nous perdons ça. C'est ça. C'est où on a dit en différents mots tout problème que nous voyons, qui gens que nous sommes capables d'aider pour ranger. L'un des petits mouns nous-mêmes, nous te levons matin, nous te joignons papa, maman, ou bien papa, ou bien maman, ou bien ma tante, ou bien un tonton, ou bien grand-mère, ou bien grand-père, qui te montre qui s'arrête l'amour de soi. Je te fais mes têtes, nous. Et comment je te fais ça? Parce que je te montre qui s'arrête les rêves. Quand il y a eu mon papa, me dit qu'on donc il va te même. Non, caler là, ce n'est pas la meilleure option. Hein. Mais peut-être caler là, ce n'est pas trahir, trahir. C'est la façon de corriger. Mais comme il va te connaître, connaissance pour te corriger de façon différente, donc pour lui-même c'était punition, hein? Mais c'était même de... hein, ça commence donc. Mais l'arrivée de l'école là où 26 ans mouyo tout qu'on a ensemble, nous avons stabilité, ça me donne une stabilité émotionnelle là, parce que nous pas de problèmes. Et les et il y a une plus grosse émotion que un être humain qui a gagné qui est bon, c'est la joie. Donc l'arrivée en côté, ça tout bien ou content. Donc, son émotion positive que lié. Donc, ça vient de où? Aider tes amis sous contrôle là. Oui, ou dégage une énergie positive. Comment ça vient de où comprendre que tes amis là, même s'ils vont habiter même côté avec eux, même s'ils vont avoir même classe sociale avec eux, même si économiquement, ils ont une différence, mais ces amis liés, nous sommes même dans l'école. Tu comprends? Donc, je ne peux pas aider tes amis, non pas parce que nous avons tennis, qui vont picher que pas maintenant. L'un des petits mondes, nous ne pouvons pas dire ça. Parce que nous ne pouvons pas penser à matériel là, tant qu'on y a. Donc, tant qu'on vient penser à plus de bagages matériels, tant qu'on vient plus égoïste, tant qu'on vient plus individualité, donc on vient perdre une notion de société. Parce que faut qu'on gagne, faut qu'on gagne, faut qu'on gagne, et les gens qui sont côté là, ça va garder que c'est la mourir. Donc, on vient perdre du sentiment, ça, émotion d'appartenance, sentiment d'appartenance, ça, émotion de joie pour gagner, le tout, on a progressé. On vient perdre. Donc, ça vient cause, nous commençons à une société individuelle. Et comme on dit, nous pas fait pour nous. Chaque coup, il clair et bouger. Oui, comme ça. Non. Nous pas fait pour nous. Nous sommes des êtres sociaux. Tout être humain qui sous la terre, nous avons besoin de socialiser. D'ailleurs, ce sont des facteurs qui sont importants dans la vie d'un être humain. Il faut qu'on ait des amis, il faut qu'on ait des connus, il faut qu'on ait un groupe pour participer. Donc, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de monde pour participer, pour jouer avec nous. L'un moins isolé, peut-être, comme une individuelle. Donc, nous ne venons pas être sociable encore.
Oui, living, bon, je ne vois pas vivre la ville dans un phénomène social parce que bah, ça a trop développé. Toute la journée, c'est le moi, je m'en fous des autres. Comprenez? Et vous avez une prime trop sous nous. Et ça, ou même, l'aime de ti moun de kon ouè que maman m'a fait quand il mange, pour le voir ma voisine. Exactement. Oui. C'est ça, m'de kon a vivre. Par un yo, yo, si, yo, ouais, on joue, ti moun n'a pas l'école. Yo, l'école ouvert, yo, ouais, ti moun n'a pas l'école, y'a absurde. Deuxième jour, yo, ouais, ti moun n'a pas l'école, y'a absurde toujours. Troisième jour, on va le poser une première question. Yo, dit, comment faire, nous, ouais, est-elle pas l'école? Ou même la façon yo ka aider a yo aider, c'était très bien ça. On dit que nous perdu ça, nous perdu vivre ensemble, nous perdu toute bonne valeur nous te gagné en tant qu'haïtien. Quand même haïtien moi connais vraiment pas comprendre yo, on regarder moun nan sont tomber dans la rapre moun tout moun va faire occupation pour occuper. Mhm. Yo continue pour occuper. Pour que ça tout, c'est pas tout côté non, gien de côté dans pays il y a toujours gien ti sens communautaire ça. Il n'y a pas en pile, mais de côté que Malé, Haïti, surtout dans la zone provinciale, où est cette communauté-là? Où est-ce qu'elle existe toujours? Où est-ce qu'il y a une aide? Où est-ce que la famille ça, et vit bien toute famille qui est de côté? Mais c'est parce que dans la grande ville, il y a tellement pensé à matérialisme, il y a tellement pensé à que faut y gagner, pour vivre bien, pour vivre mieux, donc il perd du sens communautaire-là, il prend sens individuel-là. Mais il y a de côté en Haïti jusqu'à présent, ça existait. Ou est-ce que nous prenons l'école, tout le monde ensemble. Ou est-ce que l'école, tout le monde ensemble. Ou est-ce que nous avons certaines convivialités que nous aimons. Donc, c'est ça que nous tout espoir n'est pas perdu. Qu'on a cette volonté pour nous gagner, pour nous rétablir encore. Pour nous montrer que nous avons qui savent les pays. Pour que nous avons constaté. Nous avons pays. Tout. Tu vois, parce que comme je dis, ça c'est des émotions que nous gagnons là. Mais nous sommes capables. Développer émotion ça. Gain positif, gain négatif. Bien que moi-même, moi pas j'aime tellement rien mes termes négatifs là, non? Parce que émotion négative, c'est comment diriger. Oui, bien sûr. Comment diriger émotion? Sou capable de canaliser bien, c'est pas négatif encore. Vous comprenez? Il y a un petit monde qui remet fait colère, un petit monde qui doit goumer, ou dire ok, petit monde ça a une émotion qui est négative, petit monde ça agressif, petit monde ça méchant. Mais son petit monde nié, nous capables de diriger petit monde pour être capable de prendre émotion ça. Pour le canaliser. Il oui, capable de quand même. Donc, ça, et ça qui est important. Donc, il faut que nous travaillions pour nous reconstruire ça et l'essence de la communauté. Tu vois? Ah oui, moi-même, j'aime tout là. Moi-même, ma femme, pile fort pour ça, docteur. Parce que moi-même, toujours, je ne vais pas vivre. Je ne vais pas mourir sans pas vivre le changement Haïti. Ça fait moi, Nouvelle Haïti. Ça. Et ça fait ma paye toute contribution, toute forme, parce que Nouvelle Haïti, la femme, vive lui. On vivre parce que les petits gens venir yo pour gon l'autre Haïti et de façon positive oui on veut gon l'autre Haïti li possible li possible si nous tout mettez main chaque monde bay ti goutte d'eau pa yo pour yo plein drum nan chaque monde bay ti graine sa pa yo depuis chaque monde fait ça yo konn fait yo respecter ça yo konn fait a connaisse ce que yo connaît li possible pour nous gon meilleur Haïti. Parce que nous pas espérer ça pour nous comme ça, hein. C'est pour nous travailler. Pour nous changer si... ça. Moi, je ne suis pas d'accord, non, moi-même, je suis comme ça. Même si nous sommes morts, nous ne sommes pas d'accord, mais au moins, il faut nous connaître que nous semons et la bonne semence pour ça va venir. Oui. Le bon grain pour être capable de gérer. Oui, ça va venir, mais récolter, mais il faut nous travailler pour ça. Exactement. Oui. Mais docteur, je vais vous donner un conseil pour mon yo surtout. Et bon, je vais utiliser le terme, mais quand même, mon yo voye retourne, je vais dire que je suis même. Haïtien voye retourne. Mais bon, comme moi dis, mon qui retourne à Haïti, peut-être que yo aurait la senti yo plus lésé que mon qui est aux États-Unis, parce que c'est son parti dans le rêve qu'on retire, parce que mon n'a pas de retourne à Haïti, c'est qu'elle quitte. Donc, le retourne à Haïti, quand il y a la libale, il y a un sentiment de li. Li pas réussi rêve son échec lié pour lui la consentiment et la essayer comme si d'abord gagne moins et pas tête li moins valeur parce que ça t'est sorti pour t'aller faire li pas faire tu vois donc c'est pour nous ça on appuie hein, comme moi dis chercher appui parfois si on pas gagne un appui psychologique là mais on gagne des amis on cachita essayer comment on va le reconstruire vie en Haïti.
parce que quelqu'un littéralement il va l'obliger à reconstruire en Haïti. Tout ça que vous avez gagné, vous défendez pour aller. Pour y a le c'est moi-même qui dit le côté mial facile, mais le c'est moi-même qui vivre lui-même, il n'est pas aussi facile. Non. Que j'ai que mais comme moi, tout ça qui est important, c'est la vie. Mon avons la vie, fort la vie en parle. Et puis, qu'on y a pour le mari, quand son lit, pour lui dire bon, ok, nous avons fait une expérience qui n'est pas de bon, même que la vie, qu'on y a, quitter le mari, c'est du moins, pour me continuer à vivre. Mal chercher un bagage pour me faire un bagage qui est positif pour me faire parce que j'ai plus choix hein, malheureusement j'ai plus choix gagne bon gagne pas bon donc qu'on y a là y a un monde qui prend choix pas bon qu'on y a parce que maintenant en pile on a parlé dans la télévision en pile on a parlé dans la radio en pile nouvelle cap du et si au théo même qui est en Haïti et va faire si bon comme si c'était ou même au contraire t'as pas le faire mais mon qui là lui même c'est lui qu'on s'en va le faire donc pas qu'à du moi même si m'étais en Haïti si j'étais déporté en Haïti terme c'est un qui va bon déporter ça me t'a pas fait parce que nous qui doit dire ça me gauche nous mais nous pas dans moment c'est monde qui dans chaudier qui cap prend chaleur c'est lui connaît ça pour le faire à ville on pas me dire que monde en Haïti qu'on y a là ça pour le faire à ville seul ça me t'a conseillé au monde sous capable venir nous aide émotionnel chercher prendre c'est pour dire conseil capable au monde sous capable venir sous pas capable venir qu'on y a c'est pour essayer réfléchir bien penser positif. Comme moi dis, ça et moi cap dit la bouche moi, il pas facile non parce que moi pas en place maintenant. Donc on pas qu'à dire non qui ça pour le faire. Right? Parce que en pile fois nous dit si tel bagage arrive, m'a réagi tel genre. C'est menti. Comment la situation beaucoup va prendre réaction. Exactement. Lors face situation, c'est le savoir pour réaction. Parce que avant ça, pour être prédisposé à une réaction et puis l'aurait en face lui, choc là tellement fort que aucune réaction contraire à son dépenser. Totalement contraire. Donc c'est pour mounio essayer tranquilliser yo, essayer descendre un peu dans le niveau stress que toute expérience a baillé yo et puis pour reprendre vie dans main yo. Parce que moun nan gen vie dans main, tout moun gen vie dans main yo pour faire des choix qu'on y a qui beaucoup pire enfin peut-être moins dangereux. On met le comme ça. Parce que m'pa ka juger choix moun nan, même ka di pou moun nan fait des choix moins dangereux. Parce que même si m'pa ka juger choix moun nan fait a, même moi connais que saute Chili ou bien saute Brésil pour arriver Mexico sous frontière là son choix dangereux en pile et surtout pile route ça mon yo faire rager tout bagage ça bête à manger mon yo ou mettez vie en danger mais comme je te dis on pas juger mon qui fait là non même qu'à comprendre mon qui fait là qu'à respecter choix le faire parce que c'est lui même qui connaît pour qui ça le fait choix bien sûr c'est lui qui a vécu situation ou pas mieux placé vous connaissez le basel. Donc, il y a une meilleure bagaille pour mon Haïti actuellement fait envers mon sa pour la caillou, c'est bah respect. Oui, bah assistance tout, bah appui, bah appui mental, bah support tout ça. Ou pas placer pour juger mon parce qu'on va dans la situation ou pas qu'on a un soldat. Parce que appui mental là, c'est pas seulement al ka un psychologue. Mon qui bon koto là, il ka bon. Oui, aider mon nan pour voir comment l'idée ka remonter moral li. Pas si t'as parlé de bail ça avec elle, fait le vivre, fait le fils, fait tes sorties, bal tes blagues, tout ça est dès le vivre. Pas vu nous rappeler là, hein. Mon conseil de monde sur internet là, le avoué photo, ben moi dis au t'as pris, pas avoué photo de moi encore. Parce que c'est pas aucun bien qu'on a fait. Oui. Ou avoué, c'est mon nom. L'autre, il y a un monde qui l'a mis dans de l'eau, c'est juste être loué à compte si mon souli pour faire photo ça et pour publier dans toutes les réseaux sociaux. C'est grave, oui, ça. C'est que ou pas même rendre compte que moun sa gon dignité moun sa ta gen pas vle tout moun wèl famille moun sa le obligé wèl tout ou ki ça la famille moun sa ou soit photo petite li ou bien mari li ou bien madame ni avec petite li sous tête li ou bien petite li c'est un choix émotionnel que li pour li tout son choix lié donc si moun ta ka éviter publier photo ça yo sur toutes les réseaux sociaux li ta bon tout parce que n'a aidé moun yo. Je ne vais pas oublier, mais on a fait des gens revivre de façon visuelle tout. Oui, tout ça, on s'est subi. Donc, c'est très important. Donc, c'est ça, il va revictimiser les gens qui sont victimes. Parce que c'est le monde qui est aux États-Unis. Ils ont quitté aller, ils ont la caille, ils ont la famille. Mais parfois, ils ont ouvert Internet. Ils ont vu les photos. Photo yo côté que police ta courir derrière yo photo yo la mitan de l'eau ak petit que sous épaule yo côté vie yo te en danger donc moun nan vin revivre événement traumatique ça donc qui va aider non plus comprendre
Donc c'est ça qui est important, c'est ça qui est important. Bien que il y ait thérapie d'exposition, mais ça son bail qui thérapeutique, son psychologue qui compte qui j'ai pour faire thérapie là, il veut exposer encore à situation pour capable accepter que ça a été passé dans vie ou pas faire angélie, donc c'est pour apprendre vivre avec. Mais c'est pas psychologue ça, c'est pas il va voler sur internet là pour lui aller chercher photo. Non, pas du tout. Bon, donc là faire un processus thérapeutique avec vidéo scientifiquement ça te passe là comment qu'on réagit et puis qu'on a une capacité parce que ça fait la développer capacité la caillou pour apprendre de ça te passe là pour accepter que il passe déjà ou pas jamais qu'à changer ça te passe là et puis qu'on a pour travailler pour un meilleur futur tu vois mais c'est pas photo internet de parler de lui parce que ça aussi ou c'est le choc là que moi vivre encore donc moi choque ça encore il fait me faire un pas en arrière côté que mes amis garder côté me mettre comme parce que conseil de monde qui sorti et puis remettre au là situation encore donc c'est très important pour nous travailler sur ça nous qu'à utiliser les réseaux sociaux pour des bagages qui parfois plus positifs que ça bon conseil tout en m'a parlé de ça dans l'émission là docteur mon yo chita tout bagage yo lagué sur internet tout bagage yo lagué sur internet tout bagage net émission bien nommé. On parle tout bagaille. Oui, nous parlons tout bagaille. Oui, sujet varié. Nous parlons tout bagaille, docteur. C'est important. Oui. Très important. Nous faisons une formation, ça. Nous faisons éducation civique, nous faisons tout ça. Exactement. Nous devons sensibiliser mon yo pour qu'on comprenne qui ça yon leur bien émotionnellement, qui j'ai ça bon, ça aide au vivre beaucoup mieux. Oui, ça aide tout notre santé. Oui. Ça aide au comprendre, ça aide à accepter être humain beaucoup trop là. Même si vous pas d'accord avec, mais acceptez-le. Parce que l'IPACA jongler. Nous tous semblons. Tout homme est unique. Vous pas choisir ce intéressé même j'avoue pour lui. Nous tous semblons, mais nous chaque façon, nous tous uniques. Oui, justement. Et ça, nous n'avons pas admettre là. Il comprend, j'ai lié à ce qu'on s'abouille tout. Et la réponse au lien en plus, j'ai lié à ce qu'on s'abouille. Donc, ton culture que nous sommes capables de changer, au fur et à mesure que nous avons sensibilisé mon yo, pour comprendre une série de processus. Pas impossible, même très positif que changement là, c'est volonté pour gagner et puis mettre à la patte. Oui. Tu vois? Mais en plus, chat et ballon. Exactement. Nous, on dit que nous ne devons pas manger calalou. Donc, très important pour nous unir en communauté. Oui. Pour si ça, hein, moi, je vais sous si ça, on est, et puis si petit, pas si petit, nous font gros pile et puis nous font gros poids dans la balance là. Tu vois? Avant, on conseille pour Haïti, on conseille pour changement Haïti. Et l'autre jour, il y a un monde qui dit nous essayons tout le bagaille en essayant l'amour. Moi, quoi, définitivement, c'est pour les bagailles pour nous commencer à passer. Oui. Commencer à passer l'amour pour payer nous. L'amour, l'homme dit pour payer nous, nous ne pouvons pas prendre pays pour qu'on paye pas où ça va. Payer à un monde là-dedans. Donc, l'homme n'a pas passé de l'amour pour payer nous, c'est l'amour pour le monde qui est avec nous. Donc, c'est pour nous aimer l'autre, nous accepter l'autre, j'en ai là, et puis pour nous travailler ensemble, pour nous mettre les mains à la patte, pour nous reconstruire. Ça que nous avons reconstruit dans le pays, ça a été en pile valeur, en pile valeur. Donc, on a toute valeur, ça y est, chaque monde qui a mis, parce qu'on met dans des, ou bien n'importe qui, gros et connaissance. Mais l'on met dans toute valeur, ça y est, son petit morceau lié. Donc, petit morceau pas maintenant, plus petit morceau pas l'autre là. Là, font pas que. Donc, c'est pour nous chercher un jeu, pour nous chercher une union. D'ailleurs, tout en train de répéter, l'union fait la force. Donc, c'est. Il n'y a pas de moyens pour nous faire force pour nous continuer. Pour nous lever, côté n'y a ça que nous pour nous lever. Donc, consensus que nous avons besoin pour notre travail, pour la communauté, c'est la même chose qui va dans les personnes. Donc, comment qu'on y a la tête nous ensemble pour nous faire tirer. Chaque fois qu'on nous a un programme qui est pour Haïti, nous avons un peu de temps, vas-y. Ou geta, je dis chaque fois, je dis, ah mon cher, je suis très occupé, même si je dis, ah, je ne pour vous, non, même si je pour Haïti. Bien sûr. Ah, si c'était pour vous, même là, je ne suis pas pour vous. Parce que je suis très occupé, même si pour Haïti. Donc, depuis Haïti, non, mais mon côté, je fais tout ça possible pour 20 ans. Donc, si tout le monde pense à ça, à quoi il y a, si je dis, je ne parle pas de l'économie, je ne parle pas de politique, je dis, ah, bon référence. Oui, parce que c'est pas domaine. Pas domaine, pas. Donc, c'est ça pour nous commencer à cultiver tout. Pour chaque monde travaille, la branche que nous connaissons. Tu vois? Soit pas les gens qui ont pour reconstruire au caille, qui ont pour faire caillot. Même pas contre bagaille comme ça. Donc, faut que je.
Exactement. Yon achetèp, yon moun ki ki kone sens la. Koun ya sou, kaye de moun ki de la telmente la, mou ka djou, ok, men ki program ke nou ka fe, pou mou kaye de yo emosyonelman. Men ki jen katavay ak ti moun yo, parce ti moun yo gen pil problem moun ya. L'ekol poko ouve, yon va konsi l'ekol ap ouve, l'ekol yo krasé. Donc se traumatis ki fò pou ti moun yo. Donc yon travay an pil sou kesyon sa. Koman pou mou kaye de ti moun yo, pou yo ka repren yo, pou yo ka kompren. Men, malheureusement, ti moun yo baka pa poko tyo. Fok papa avec parents yo konn moun di les deux avec professeur yo les deux p les parents et les professeurs yo gen pile pour aider ti moun yo. Donc c'est là encore je reviens sur le consensus pour nous faire une communauté. Fok papa comprendre que l'école là c'est partie de vie petit li. Donc fok li intégrer la vie scolaire là, fok li superviser. Donc li pa ka vle pou jita la kay li voye ti moun dans l'école et puis espérer que l'école là va pa ti moun dans tout bagay. Non, faut papa yo très très imbu de que faut yo rentre dans vie scolaire là tout, faut yo konn professeur yo, faut yo konn qui est ka bâti moun yo éducation ou bien instruction. Tu vois, donc conseil là pour Haïti c'est pour tout moun mette main la patte, tout moun mette main la, la c'est pas retan pain non pour nous manger, c'est pour nous mette main la patte qui va faire pain. Papa avec tout professeur avec tout moun qui capable c'est pour nous mettre ensemble pour mette base là qu'on y a ces timounio, nous pas d'accord, nous perdons une pile génération. Donc si mon coup c'est pour un travail pour une carbone génération saine en question de physique et puis une génération saine en question mentale, c'est ça nous besoin. Ok, merci docteur Farrell. Mes amis sont familles moi mais en pile, même si c'est de loin vivio. Même si c'est de loin vivio, ça t'a plus attiré attention car il Farrell yo. C'est que automatiquement, ou pour opposer ou pour venir participer dans l'émission, ils répondent à l'appel. Je te sans répète. Sans aucune contrainte, les amis, comme dit ça, sans aucune contrainte, et nous avons plein de responsabilités, vous comprenez, tu as chronométré, sans aucune contrainte, ils disent oui, ça fait plaisir. Comprenez? Parce que vous-même, vous voulez participer dans la nouvelle Haïti. Merci, Dr. Farrell. M'espère que tous les téléspectateurs ont tout bon conseil sur le bio et mettez en application. Je vais vous pour une prochaine émission. Aucun problème. On est comme moi, je dis, pas de Marie-Carmel, mais depuis c'est Haïti, je suis merci, docteur, même tout participer. Donc, même si vous êtes en vous-même, participer là-dedans. Parfait. C'est ça l'idée. Merci à toi pour l'invitation et puis bon. Quel que soit le besoin de service, nous connaissons ça avec un plaisir. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Farrell. Merci tout le monde qui t'a regardé l'émission. Ça, n'a demandé pour monter sur page YouTube, nous taper On parle tout bagay. Cliquez sur abonner, cliquez sur all ou bien tout si votre téléphone ou en français. Cliquez sur j'aime. C'était un plaisir. Prends conseil et appliquez. Merci tout le monde. Au revoir. On parle tout bagay. C'est une émission socio-culturelle. Cabien pour diffuser sur Canal Bleu chaîne 38 tous les samedis 5h de l'après-midi. N'a parlé toute bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branchée.